tient quand il vient derrière, quand même, c'est drôlement bien ce cheval-là. Oui, c'est une race de chevaux qui adore sprinter. Et puis, si on peut passer la bosse sans avoir été trop vite, c'est mieux. Parce que les deux fois où j'étais plus agressif dans la montée, il était beaucoup moins percutant pour finir. Donc il ne faut pas avoir peur de perdre des rangs pour pouvoir le faire sprinter pour finir. Il confirme ce qu'il a fait cet été en fait. Oui, voilà. En plus, pour gagner ce genre de course en deuxième ligne, il faut avoir la chance que ce soit des épreuves qui soient rythmées. Et aujourd'hui, il y a eu 2-3 changements de leader, ce qui fait que ça a fait du rythme. 11-9, c'est un très bon temps, malgré qu'il fasse 12 degrés et du soleil. Il faut quand même le faire. Quoi. Donc, si on tombe sur une course qui est bloquée devant, on n'a aucune chance en deuxième ligne. Mais oui, le cheval le court très bien. J'ai pas voulu trop démarrer parce qu'ils allaient très vite. Après, je suis venu à 3, mais à ma main. Et après, Alexandre est venu sorti devant moi et m'a emmené jusqu'en haut. Après, j'ai décidé d'avancer parce qu'il n'a pas 250 mètres. Battu par un cheval qui est venu de derrière, mais il a bien résisté. C'est un cheval, on le sent en progression actuellement. Oui, c'est un cheval qui est lourd, qui est long à venir, et plus il court, meilleur il est. Ouais, très bonne performance, bon, on a eu de bon parcours, en partant on s'est bien rangé, et on s'est bien fait ramener. Très content de sa performance, en tout cas elle améliore bien son chrono, donc c'est bien. Il y a eu un bon wagon de 3 en montant. Bah ouais, Sergent Duhery, Budine, c'était des bons dos, quoi, donc... Puis elle a bien tenu sa partie jusqu'à la fin. Est-ce que pour finir, tu t'attendais pas à ce qu'elle gicle un tout petit peu plus parce qu'on t'a vu franchir Udine à la fin, mais sans vraiment la déposer quoi. Bah voilà, en training droite, j'y ai vraiment cru. Et mon père Vacouis est venu vite, mais elle a bien lutté quand même, malgré qu'il y avait 50 mètres de trop, quoi, mais c'est déjà bien, sa performance est bonne.